Ouais, messieurs, dames, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Ah, super, attendez. Fil du micro en mêlée. Les aléas du direct. Je crois qu'il est en train de se déchirer doucement, mais sûrement. Heureusement, c'est le fil, pas le micro lui-même. Mon petit beurre du M1. Tu vas bien? Oui, tu vas bien. Tu vas très très bien. Le micro qui carie, hein, depuis toujours. Meilleur micro, rappelez-vous. Si vous voulez vous lancer sur Twitch ou YouTube, c'est le meilleur. Niveau rapport qualité-prix. Allez, c'est parti! Au moins une personne a survécu au On crash. a entendu le bruit de la play pile au moment de la transition. Ah bon? Ah, ça peut-être. Ce bruit-là, je pense. Ah, normal, hein. C'est pour éviter que vous ayez des bruits parasites pendant les petites musiques de l'écran starting. Il pense à tout! Allez, suite de Far Cry New Dawn, on avait fait une petite pause. Parce qu'on avait enchaîné les lives sur Mario Comment RPG. peut-on faire toujours mieux? Très bonne durée, hein, Mario RPG. 3 lives, 12 heures. Parfait. Parfait, parfait. Moi j'aime bien ce genre de jeu à streamer là. Ça fait 3 lives, ça fait une semaine, c'est cool. C'est cool. Et Far Cry New Dawn d'ailleurs, c'est le troisième aujourd'hui. Hein. C'est le troisième. Mais je ne pense pas qu'on va finir aujourd'hui. Malheureusement, parce que le jeu est pas ouf. Hein, donc j'aimerais bien le finir assez vite. Sans qu'il soit totalement nul, il est loin d'être ouf. On est d'accord. Alors qu'est-ce que je devais faire? Là-bas, il y a une quête. On va faire ça, tiens. Si je trouve une bagnole, du moins, Pas grand sur la chose, route. mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Tu te tais. Ah oui, c'est vrai, on avait fait la mission, on avait vu en vie. Comment il s'appelle? Mister Jacob. Enfin, en vie. C'était une hallucination. Donc, c'était pas exactement la même chose, quoi, c'est sûr. Un méchant là-bas. Un méchant? Tu as vraiment dit un méchant? C'est comme ça que tu vois les choses? De manière aussi manichéenne, bien joué. Vous avez placé le mot manichéisme. Pourquoi elle nage plus vite que moi? Je ne comprendrai jamais ça. Le fameux bien ne transcende pas les boules. Exactement, sauf que là, Far Cry New Dawn, c'est même pas bien, hein, c'est moyen. Je ne l'affublerai pas du bien, mais ça transcende pas les boules. Comme j'avais dit pour Far Cry 5. Là, on est vraiment sur le niveau moyen. Quand je dis c'est pas ouf, c'est pas ouf. Mais je m'y attendais. Après, bon, moi je veux faire la plupart des Far Cry. Tous, peut-être tous. Tu me vois sous l'eau? Non, c'est bon, je crois qu'il m'a pas vu. Oula, t'es sur le carton sur New Dawn? Oula, non. Quelle perte de temps. Si je fais un autre tech sur un Far Cry, ça sera probablement plutôt le 2 que je casserai en 8. Ou alors le 4 ou alors le 5. Mais pas New Dawn, je pense. Non, non, non. Ouais, Far Cry 5, c'était drôle. C'est pour ça hein, que j'ai dit que je ferais sûrement. Si je devais faire un tech sur un autre Far Cry, ce qui n'est pas du tout prévu, je ne vous le cache pas. Ce serait certainement le 5 parce qu'il y a eu pas mal de personnages assez drôles. Et de situation plutôt cool. Far Cry 5, lui, était bien sans transcender les boules pour le coup. Voilà. What? Ah, alors lui, il va m'indiquer qu'il y a la quête principale par là-bas. Super. Merci, Brother, pour ton utilité. L'arrivée du train a bien compliqué les choses dans la vallée, ça c'est certain. Putain, mais c'est encore toi, mais. Et les PNJ qui t'indiquent les endroits des quêtes, ils ont tous la même gueule. Oh merde! Oh, c'est con ça! J'ai glissé! J'ai posé ma manette sur les genoux et du coup ça a touché la gâchette. Désolé! Connasse! La balle perdue, c'est lequel le dire? Ah, j'ai pas fait exprès, hein, pour le coup. Non, mais voilà, clairement pas de test en carton sur un Far Cry de prévu avant un long moment, je pense. Après, on ne sait pas, hein. Je disais ça aussi pour Sonic, et au final, après avoir fait Sonic 2006, j'ai très envie d'en faire un sur Sonic 2006. Donc, on ne sait pas, hein. Ah, j'arrive au bon moment du friend kill, ça j'aime. Merci pour le Prime, Miloudid. Je savais que cette action allait me donner un Prime, je le savais. Alors pourquoi les notifs Discord... Enfin Discord, pardon, OBS bug là.
Voilà, merci. Tu te casses. Merci beaucoup. Le Friendly Fire. Déjà, pour savoir si c'est un bon jeu, cherchons si les couilles de chevaux sont modélisées. Exactement. Après, il y a un autre critère, n'oubliez pas. Toujours vérifier si on peut pet the doggo. Peut-on caresser le doggo? Ce qui fait que Breath of the Wild est un mauvais jeu. Eh oui, Jamy. Eh oui. Quand je disais que j'adorais ce jeu, c'était un mensonge, mon gars. Pas se foutre de ma gueule non plus. Oui, docteur, je ne pense pas que ça sera le dernier live sur Far Cry New Dawn. Et après New Dawn, en Far Cry, je pense qu'on fera le 6. Voilà. Avec Gus, parce que je suis très intrigué de voir à quel point il est à chier. Apparemment, c'est l'un des moins bons de la série. D'après certains, c'est même le moins bon de la série. Si on oublie les Instinct Predator et tout le bordel. Bon, après, j'ai du mal à imaginer qu'il soit pire que le 2. Le 2, c'est vraiment de la merde en boîte. Je veux plus jamais en entendre parler. Alors que le 3, c'était la masterclass. Le 6 égale caca. Apparemment, ouais. Bon, alors lui, il nous avait pas laissé rentrer. Pour moi, Far Cry 2, c'est le Sonic Boom de Far Cry. Voilà. C'est... T'as des épisodes nuls. Très nuls. Et t'as Sonic Boom et Far Cry 2. Voilà, pour te situer un peu le... Après Far Cry 2, contrairement à Sonic Boom, pour sa défense, j'ai joué que 5-6 heures. Peut-être que quand je le referai, j'aimerais un peu plus, on ne sait pas. Et du peu que j'ai fait, c'était du vrai caca. Hein. Parce que vous étiez beaucoup à me dire que, ouais, non, Sonic Boom 6, tu vas voir, tu vas moins aimer que Sonic Boom, au final, non. J'ai plus apprécié que Sonic Boom. Vous êtes beaucoup à me dire que Far Cry 6, je vais moins aimer que le 2. Encore une fois, permettez-moi d'en douter. Ah donc ce personnage masqué, c'est nous, c'est le héros du 5. Ok. Je pense que si tu me l'avais pas dit, on l'aurait jamais su. Si on l'avait su plus tard, tu es ban pour spoil. Allons le ban. On t'a dans le collimateur. On te vise. Je ne t'imaginais pas comme ça. Mais peut-être te dis-tu la même chose. Si tu es venu parler à mon vieux père, bien. As-tu trouvé le livre? Sais-tu ce que tu m'apportes? La parole de Joseph. Ses idées, ses conseils, son savoir. Et sa démence. J'ai cherché partout ce livre. Donc tu es le vrai fils biologique, pour régner pleinement sur l'Éden. De Joseph. Et c'est toi qui viens pour nous le rapporter. Ça aurait dû être moi. C'est vers moi qu'ils se sont tournés quand il est parti au nord. C'est moi qui empêche cette famille d'éclater. C'est moi qu'ils ont choisi. Je suis celui qui les protège des cafards et des serpents. Moi je. Ces murs. Oh. Moi ! Mon père voulait bâtir un paradis, mais au premier problème, il s'est enfui. T'es son ridicule. Je suis désolé, hein, mais... Le coup du méchant qui fait tomber des trucs avec la musique qui s'accélère au moment où il fait tomber un truc... Chercher son aide. Pff, ça fait vraiment Pagam ou Vase du pauvre. Hein. Je suis désolé, les gars, mais vous êtes ridicules à côté d'eux, mais vraiment. Envie de l'admettre, mais c'est la vérité. Que ce soit les deux jumelles ou toi, frérot, vous êtes ridicule. Encore en lui, et il y a peu de chances que cela change un jour, à moins qu'elle comprenne. Je me sens médisant aujourd'hui, là. Qu'il n'était qu'un homme. Tu dois m'aider. Ramène-leur une preuve de sa mort, et j'aiderai ton groupe.
Mais pour que ma famille te laisse voyager au nord, prouve d'abord ta valeur. Allume la flamme de l'Éden. Les gens connaissent cette marque. C'est dégueulasse. Ils te mèneront à la flamme. Bah, c'est pas très Covid-friendly, ça, monsieur. Ouais, j'ai vraiment du mal avec les méchants de Far Cry depuis Pagan et Vaas. J'ai l'impression que c'est juste des mauvaises imitations. Hormis Jacob, qui, lui, était plutôt cool. Il était assez unique par rapport à Vaas et Pagan. Mais c'est vrai que... Putain, les jumelles et lui, c'est chaud, hein. C'est dur, hein. On dirait Ubisoft essaye toujours de reproduire la masterclass Vaas, mais... Hein ? Bon. Voilà quoi. Unpopular opinion à propos des jeux vidéo, je dirais... Je vais prendre des risques. Hein. S'il vous plaît, pas de thread Twitter pour me cancel, je vous en supplie. Mais je dirais que Zelda, c'est cool. Et Gollum et Forspoken, c'est pas cool. Voilà. C'est le mec qui a pas compris le concept. J'en mettrai pas ma main à couper. Ethan vous a désigné. Vous souhaitez rallumer la flamme du nouvel Éden. Je prends des risques, hein. Je prends des risques. Elle se trouve au pied de ce qu'il reste de la statue de Joseph. Non, ne me cancelez pas, s'il vous plaît. Non. Un pêcheur, il y a bien longtemps. Vous y croiserez un groupe d'élus. Ils vous aideront. Quittez le domaine. Très bien, eh bien, quittons le domaine. Bon, et bah écoutez, on fait une mission pour le fils de Joseph. Ok, d'accord. Mais alors, on a appris ou pas si Joseph était encore en vie? On sait toujours pas, hein. Moi, je suis prête. Ah, mais t'es là, toi, tu m'attendais. Tu m'attendais. Ok, il faut aller là-bas. Ouais, j'irai bien sur cette cache, là. Ok. Est-ce que je peux me refaire les munitions là? Attends, est-ce que je peux déjà créer de nouvelles armes? Je suis pas sûr. Attends, mais qu'est-ce que j'ai là? Mouais. Mouais, on a un petit bazooka. Ok, d'accord. Bon, on va rester comme ça. Quoique, je prendrais bien sniper à la place, hein. Je t'avoue, mon cochon. De toute façon, bon, là, la technique, ça va être de monter assez de points de talent pour pouvoir débloquer un ultime emplacement d'armes. Parce que là, je t'avoue, j'en manque toujours. Voir un petit peu. J'espère que c'est pas un jouet. Hein. Ok, ça a l'air pas dégueu. J'aime bien le bruit que ça fait. J'espère que maintenant plus rien ne fait peur. Quand ça fait BOM plutôt que BOOM, c'est bon signe. Moi je préfère quand ça fait BOM. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? J'espère vraiment qu'on va pouvoir revivre ça. Finalement, je m'excuse. Viens m'aider, s'il te plaît, ma poule. Attends, mais c'est les mêmes munitions? Oh non. Ok, c'est les mêmes munitions, on arrête tout. On arrête tout. Mes deux armes ont les mêmes munitions, c'est même pas la peine. Non, non, non. Je ne suis pas d'accord. Eh bien non! Qu'est-ce qu'on va prendre du coup? Oh, yes, sir. Ah, le bazouzou peut-être, hein. Sinon la lancie était pas dégueu. Qu'est-ce que c'est? Tuyau boulonné de fortune. Ok, d'accord. Ah ouais, mais ça c'est verrouillé. D'accord, ok. Écoutez, je vais prendre le lancie, hein. Tant pis. Allez. Allez. C'est super, j'adore la vie.
Merci Vold pour le troisième mois et donc la double carotte. Imagine le sniper qui fait un super bruit mais qui fait 20 dégâts. Ça m'est très souvent arrivé dans la série Far Cry, c'est pour ça que j'ai un peu peur. Mais ça m'est très souvent arrivé. Là, si ça me rappelle Turok 2 sur 64. J'avoue, je connais pas. Enfin, je connais de nom, mais. Jamais fait Turok. Je me prends des balles ! Ouais, bah c'est bien, crève. Nous, on est là pour finir le jeu, t'inquiète. Hein. Ça va bien se passer. Ça va très très bien se passer. D'ailleurs, je me demande quelle gueule aura Far Cry 7. Hein. Pour le coup. Donc ça sera le premier Far Cry. Sérieux, je prends des dégâts là. Ça sera le premier Far Cry current gen, si je puis dire. Donc le 6 c'était cross gen. Alors ça s'appelle suivre le courant, ok. Il y a des loups partout. Mais il va la fermer sa gueule. On n'est pas rassuré quand même, hein, avec ce genre de bruit. C'est pas le genre de truc qu'on kiffe, ça. Ouah, t'as des... Oula. Mais qu'est-ce qu'elle fait, l'autre connasse? Pourquoi elle vient pas m'aider? Je suis dans l'eau. Je suis dans l'eau. What? Il m'attaque dans l'eau? Mais où est-ce qu'elle est morte, cette conne, là? Ah non, ils sont morts, c'est bon. Oh, la technique du Seven, putain, mais c'est incroyable. Ils savent pas nager, c'est des joueurs de League of Legends, regardez. Ouais, ouais. Moi, je loot. Adieu. Alors... Je crois qu'elle est morte. Hein. Quoi ce bruit? Oh bonjour. Alors, blablabla. Ouais. Ok, d'accord, il a planté des drapeaux. Super, faut suivre les drapeaux, je suppose. Allez, je lis pas, je m'en bats les couilles. Le chargeur dans le teckel. Ok, on a la clé, super. Super, nous sommes à l'intérieur de la zone de recherche. Attention, il y a un connard qui arrive là. Attention. Alors, je crois que lui a pris les dégâts, mais pas moi. Donc c'est plutôt bien visé. Mais c'était pas beau à voir, hein. On est d'accord. Alors, trouvez la planque. Where is the plank? Mais c'est fini, oui. J'ai plus de munitions. Je n'ai plus de munitions, tout le monde vient m'attaquer là, c'est toujours le bordel. Bon, cela dit, c'est moins le bordel quand même que le 5, on est d'accord. Calmons-nous. Salut Daido. Ah oui, effectivement. Petit con, hein. Ok, lui, il est mort. Ok, lui, il est mort. Ils sont morts, t'inquiète, Carmina. Ça va bien se passer. Ouais, mais par contre, donnez-moi des munitions de mon calibre, s'il vous plaît. Vous êtes chiant. Bon, alors, trouvons la planque. Moi je dirais qu'il faut suivre les drapeaux comme il a dit. Attention. Il y a un ours qui est en train de baiser. Hein. Non, j'avais annulé le tir, je suis pas d'accord.
des ours qui sont en train de... Ok, je l'ai eu. Bien joué, brother. Viens moi, ça, regarde ça, regarde ça, regarde ça. Ah mais il est pas mort lui. Oh, en plus il est au level. Crève Winnie. Ça me fait de la peine quand même, regardez-le. Oh l'entaille qu'il a putain. Ouais, ça met un temps fou pour annuler l'attaque quand même, hein. C'est chaud. C'est bon, il est cramé. Je crois que j'ai juste foutu le bordel en fait, en faisant ça. Oh merde, j'ai mal visé Carmina, désolé. J'arrive. Il est où? Il a disparu. Ah non, c'est bon, il est mort à cause du feu à tous les coups. J'arrive. Je suis harcelé par toute la faune, oui. Pourtant, encore une fois, je comprends pas. Moi, je respecte la nature. Enfin, je vois vraiment pas quel est le problème. J'essaye, hein. C'est compliqué. Ah, ok. Super. Alors, toi. Voilà. Voilà. Je me fais enculer par un blaireau. Ça, c'est pour tout ce que j'ai dit sur Poufsouffle. Ah non, c'est un sanglier. Il a une sale gueule, le blaireau, hein. Et dégage. Carmina, aide-moi. Je m'excuse pour tout ce que j'ai fait. Non, c'est bon, Carmina, mais regardez, regardez, regardez. Trenta Minuto Stardes. Merci pour ton aide. C'est pas possible. Bonjour, Masterclass, le texte sur DS3. Merci beaucoup. Pleurs de veuve. C'est un pseudo classe en même temps triste. C'est beau. J'aime beaucoup être complimenté par ce genre de pseudo. Par contre, ça n'arrange pas mes affaires. Toujours suivre le courant du coup, hein. Allez, je suis le panneau. Enfin, les drapeaux, pardon. Attention. Non, j'allais sauter, mais non. On va éviter de faire les cons. Parce qu'à mon avis, là... À mon avis... Ah non, j'aurais résisté, tiens. Non, non, j'aurais résisté. Je serais pas mort. Ah, c'est bon, nous y sommes. Yes. Super. Allez, mon gars, j'ai réussi un truc annexe de Far Cry New Dawn. C'est avec ça, on dit pas que je suis un PGM, mon gars. Alors là, mon gars, je comprends pas. Hein. La voix de Goku ? Est-ce qu'on peut avoir la voix de Goku ? J'adore cette nouvelle caverne. Sympa et à l'abri des regards. Je pourrais y stocker assez pour survivre à un deuxième effondrement. GG, trop facile ce jeu. Ah bah c'est la dure loi de Far Cry ça, hein. Se faire plus attaquer par des animaux que des humains. D'ailleurs t'as dit de vrais ennemis, je trouve ça assez discriminatoire, envoie les animaux. Pour le coup, là dans le jeu ce sont de vrais ennemis, je vois pas ce que tu veux dire. Un petit peu vexant quand même là. Un petit peu vexant, porter une quatrième arme. Ah mais je peux déjà... Mais putain, mais j'ai déjà débloqué cette merde. J'ai oublié l'interface en fait. J'ai oublié sa gueule. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas joué. Je peux déjà prendre une quatrième arme. Ok, donc tout va bien. Alors qu'est-ce que je vais débloquer?
Y'a pas un truc qui améliore les dégâts? Nul. Ouais, d'accord, ok, ouais. 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 Non mais qui joue au coup de poing dans Far Cry? Arrêtez Ubisoft, arrêtez. Vous êtes juste en train de faire du remplissage, arrêtez, arrêtez. Bah écoute, moi je connais Jamy du 32 qui vit en Amérique, qui a fait une run totalement coup de poing. Je m'en bats les couilles. J'en ai rien à foutre. J'en peux plus. Je commence en avant ma claque là. Là, c'est plus possible. Allez, je vais faire cette mission là. Allez. Allez, Carmina là. Vous savez déjà combien ça fait 1 million, Carmina? Alors on a un cougar monstrueux d'élite dans le coin. Nice. Bon, si on crève, on saura à quoi c'est dû. Ah, c'est le bordel, hein. On l'entend d'ici. Ah oui. C'est toi le chat. Je me prends des balles. Mais tu te prends pas des balles, t'es en train d'attaquer un ours. Complètement folle. Du coup, j'ai pas trouvé de voiture. Voilà, super la perte de temps. Bravo le veau. Ouais, il faudrait vraiment que je prenne ma quatrième arme. Je saurais pas quoi prendre. Ok, d'accord. J'espère que ça valait le coup. Hein. Attention. De la poudre, du cuivre. Ok, des munitions. Super. Ça fait plaisir. Carlotta, Flantier. Je me suis fait le petit marathon d'ailleurs annuel de OSS 117 là. Première fois que je me le fais après que le 3 soit sorti. Et je le redis, il est très cool. Il arrive pas à la cheville des deux premiers, mais il reste très sympa. Et j'espère qu'il y aura un 4. Peut-être avec le retour de Michel Hazanavicius. Mais voilà. Que de répliques! Que de répliques cultes. On est sûr que je dois monter là? Ouais, je pense. Ok, allez, c'est parti. Moi, je dois vite finir ce jeu parce qu'après, je dois aller sur LOL et finir en 0-10. Ah, tu me parlais? Non mais arrête de prendre des dégâts comme ça, s'il te plaît, arrête. Tu étais attendu. Tu veux que je prenne un arc? Ok, allons-y. On doit se préparer. Ça me rappelle Far Cry Primal, tiens. Et tous ont échoué. Les ravageurs sont nombreux autour de la flamme et ils tuent sans pitié. Tout ça parce que tu joues pas avec l'OTP, c'est Joanie. Ah bah c'est quand tu veux, Zephyr, hein. Nous t'avons apporté une arme. L'OTP s'est joigné. Top, hein, c'est ça, non? Je sais plus. Je crois que tu la joues top. Les autres élus, oh, j'ai fait des games hier. J'ai tellement pué la merde. Mon dieu. Autant il y a des games que tu perds, t'es quand même fier de toi. T'as plutôt bien joué. Là, vraiment. C'était vraiment des games de merde. J'ai fait quelques bons moves, mais globalement, c'était vraiment de la merde. On dira qu'au moins, nous, on a la décence de le reconnaître. Contrairement à mes mates, j'ai une petite bot lane là qui a fini en 0-11. Mmh. Oui. Miam, 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 miam. J'adore. En fait, j'ai l'impression qu'à notre elo, peut-être que je me trompe, hein, mais c'est très dépendant de la bot lane. À notre elo, du moins. Attention, ennemi droit devant.
en platine émeraude. Après bon, évidemment, si t'as le top ligraphidé, forcément, ça va aider. C'est quoi ? Ah d'accord. Mais moi, à chaque fois, c'est ma botline le problème. À chaque fois. Oh, j'ai pas eu. Ça fait mal l'arc, hein. Sors ta petite tête. Je vais l'avoir. Ok, d'accord, super. Ah ben genre il meurt pas lui. Qu'est-ce qu'ils sont cons, mais c'est pas possible hein. Ils sont débiles hein. Par contre, j'arrive à bien viser dans la tête, ça c'est cool. Pas trop triste de ne pas avoir ionné T1. Comment ça? Dis pas que Zeus a confirmé qu'il prenait pas ionné, il se fout de ma gueule lui. Non mais attends. Cette année, quand tu penses Zeus, tu penses ionné, et quand tu penses Faker, tu penses Azir. T'es en train de me dire qu'il y en a un qui prend Harry, donc qu'il a joué une seule fois sur une game d'ailleurs qui était pas folle. Alors qu'il a joué Azir toute sa vie. Et l'autre, il a fait des bouffes de fou furieux avec Yone, il va pas prendre Yone. Non mais c'est bon, allez, on me les banne. Oh là là, putain, mes deux mains qui sont pas pris, je suis deg. Après bon, voyons ça positivement. C'est les personnages que eux voulaient. Donc voilà, niveau atmosphère, ils sont bien. Ils sont positifs. En plus... C'est la même team pour l'année prochaine des Worlds. Ça veut dire qu'ils vont regagner potentiellement. Et du coup, là, ils pourront choisir Azir et Yone. Voyons le verre à moitié plein, messieurs, dames. Bonjour. Adieu. Attends, mais j'ai l'impression que... Je rêve ou... Ça tue en un coup, même si c'est pas sur la tête. L'arc. Oh, elle m'a fait mal, hein. Bah Azir a déjà un skin T1, ouais, mais comme je disais, c'est SKT T1, Easy Hoon. Faker a toujours pas son skin de Azir, putain. Il est là-haut! Mais bon, tant pis, hein. Au moins c'est les persos qui voulaient. J'ai pu comprendre que Faker voulait choisir Harry à l'époque où il avait gagné les Worlds, mais c'était lointain et à l'époque Riot choisissait pour eux. Ah non, ça tue pas en un coup, hein, on est d'accord. Attention des ennemis! Ah merci! Je crois que j'ai tué un allié en fait. Je crois que c'était un allié. Dead. Mais qu'est-ce que... Je suis bloqué. Il y a un connard qui me bloque. Ils vont m'avoir, John. Putain, c'est con. Je suis parti à l'abordage sans kit de soin. Merde. Peut-être qu'il y en a là-dedans. Donc que dalle. Peut-être toi. Non, rien du tout, évidemment. Et bah comme tout le monde, hein. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein. Oh, le bug avec le... Voilà, merci. Je crois qu'il m'a pas vu hein, du coup. Ah si, il m'a vu. Mais qui me tape là? Ça vient d'où? C'est vraiment le bordel.
lui il est mort. Bon voilà, c'est sympa hein, les scies, les arcs, mais au bout d'un moment, il s'agirait de grandir. Ouais, il s'est fait bourromède. 36 000 flèches dans la gueule. Et personne n'a un kit de soin. Vous foutez de ma gueule là. C'est triste. Mais sinon, ouais, tant pis pour Yone et Azir. Ce sera peut-être l'année prochaine, hein, qui sait. Je peux comprendre que ce soit les persos qui veulent, mais. Pour Jay, ça va, mais pour Harry, je trouve ça pas mérité. Elle a déjà 36 000 skins. Faker, il l'a pris une fois. C'est pas très pertinent en fait, je trouve. Mais bon. C'est lui qui a gagné, hein, pas moi. C'est moi qui vais choisir pour lui, hein. Il a pas de goût, hein. Il préfère Simple à connasse, hein, plutôt que le Tchad, sans problème, hein. Nous t'avons amené aussi loin que possible. Tu dois descendre. Bah, c'est quasi confirmé, Harry, c'est quasi confirmé. Ils ont inondé la salle et bouché les tuyaux. La meuf a déjà 36 000 skins, il l'a joué qu'une fois. Vide l'eau, ça va. Pour libérer la grâce. Ensuite, ça fait 2-3 ans qu'Azir est de Karim, mon pote, hein. S'élève à nouveau. Et fais attention qu'elle ne t'emporte pas. Va, pêcheur. Tu portes tous nos espoirs. Sorat, méchant, le jeu fait pas super envie. Ah bah t'es pas méchant, hein, t'as le droit d'avoir ton avis. Ouais, je confirme, il est pas foufou, hein. Prenez soin de vous. Je m'attendais à mieux au niveau de l'ambiance, un petit peu... des fleurs roses et tout le bordel. Après bon, esthétiquement bon comme d'habitude, ça passe. C'est pas Red Dead 2 mais le monde est plutôt beau. Après bon, c'est putain de basique, on s'y attendait. Peut-être même plus que certains Far Cry. Hein. Ah, clairement je te le dis, je préfère Primal à celui-ci. Si on parle un peu des Far Cry spin-off. Vider l'eau. D'accord. Eh bien, vidons l'eau. Okay, je peux pas interagir avec ça. Nice. Et puis ouais, pour Yone, c'est pas grave parce que Yone, il a 36 000 skins. Il a un skin tous les 5-6 mois, donc ça, c'est plutôt fine. Ce qui est décevant, c'est pour Azir. J'aimerais bien un skin de Azir Faker. Pour moi, c'est le meilleur Azir au monde depuis quelques temps maintenant. Quand les pattes ont fuité de cuir, videz l'eau. Ah, mais faut mettre de l'eau pour faire cuire des pattes ? Vous êtes sûr ? Il faut mettre des pâtes dans la casserole. Détruisez les tuyaux de grâce. Grâce. La grâce. La grâce. Alors, où sont les autres tuyaux ? Peut-être là-bas. Ah désolé mon pote, j'étais un petit peu éjecté là. Au point. Dommage, ça marche pas. Ah d'accord. C'était aussi rapide que ça. Mais comment elle est morte? Regardez à gauche, ça montre qu'elle est morte.
Ah non, c'est moi, c'est mon logo, pardon. Je me suis dit. Non, Fabio. Enfin, Fabio. Fabio Brun, avec lequel tu n'as rien à voir avec Fabio. Non. Non, avec moi, c'est Free Yellow, c'est Free LP avec moi. Trop fort. Meilleur millénaire de tous les temps, ça va de soi. Non, non, évidemment. Ah, pour le coup, hier, j'ai pas eu de chat. Hein. Tu sais, ce genre de game où tu laisses partir ton vis-à-vis à un HP à chaque fois, et quand tu te prépares à lui mettre le dernier coup, tu as le jungler ennemi qui est là. Par contre, toi, tu te laisses push, mais tu n'as pas ton jungler qui vient t'aider. Alors, c'est le fameux « Always blame the jungler ». Loin de moi, cette idée. Avant, jungler, c'était mon deuxième rôle. Je sais que c'est pas facile. Mais, et Karim de merde, quand tu vois que le Ziggs au mid n'a plus de flash, et que t'es avec un Azir, meilleur setup de gank au mid, viens gank. Viens gank, enculé. Excusez-moi, là, ça parle de LOL. Ça commence à partir en couille, vous voyez? Vous voyez? Ce jeu, on l'aime autant qu'on le déteste. Il y a des choses... Là, il faut dire certaines choses. Là, c'est bon, quoi. Je suis le premier à défendre les junglers, mais parfois, c'est leur faute, quoi. C'est bon, ça va 2 minutes. C'est bon, quoi. Pourquoi tu me montres... Ah, il est là-bas le dernier? Ok. Je prends des dégâts. Je l'ai pris un petit peu, je m'attendais à pire. Il mérite pas qu'on les défende. Certains non, mais d'autres oui. Là, il faut savoir raison garder. Moi, je me mets à la place des junglers qui... se font ping leur mère parce qu'il y a un connard au top qui crève 10 fois en 1v1 hein, et qui sont en mode ouais c'est ta faute, non t'es juste une merde, ferme là. Par contre parfois ça fout les boules quand ton jungler il branle rien quoi, c'est dommage. LOL c'est pas du PvE, tu vois ce que je veux dire, c'est dommage. Allez, vas-y, s'il te plaît. Merci beaucoup. C'est le prix à payer quand tu joues le rôle le plus pété depuis 10 ans. Ah, c'est sûr que jungler... Ils ont pas à se plaindre. Ça, c'est sûr, c'est assez ingrat. Mais en contrepartie, c'est le rôle dans lequel tu peux faire le plus la diff. Hop. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, enfin, je pense que vous avez vu, mais... Je devrais courir, là, non? Ça va être nerfé, là. Ils ont essayé de le nerfer, je pense, avec la nouvelle map. Ouais, je suis d'accord. C'est celui qui est le plus demandant en termes de connaissances avec le support. Je suis d'accord. Sauf pour la dernière partie de la phrase. Sa famille doit être avertie. Dites-moi ça, Bonjour, une question pour vous. Je viens de replonger dans une addiction très puissante se prénommant Elden Ring. Ah, ça c'est bien. Et je ne sais pas comment m'en défaire. Quels conseils avisés me donneriez-vous pour m'en sortir? Mais reste dans cette addiction et puis plonge-toi dedans. Elden Ring, c'est la vie. Elden Ring is life. Elden Ring is love. Mieux vaut ça, LP, que League of Legends. Bien, pêcheur. Enfin... Ne sors pas de cette addiction, malheureux. Le père saura comment t'appeler. Même Ethan n'a jamais réussi à faire ce que tu as fait. De toute évidence, c'est toi qui vas accomplir la prophétie de Joseph. Tu dois retourner voir Ethan. Il te dira quoi faire. Un message que tu nous as donné un nouvel espoir. Où le nouvel Eden se réjouira. Mais moi, je sais que j'ai mon pote Jojo qui, à la base, est jungler.
Depuis peu, il est passé top laner, il hésitait à repasser jungle. Ce qu'il a vu lui a pas donné du tout envie de repasser jungle. Ce que je peux comprendre. On avait réussi à bien calmer les hippies en éteignant leur grand feu. Mais le nerf est mérité. Pour moi, le nerf est totalement mérité. Ça les rend plus énergiques et plus hargneux au combat. Je vais être en colère. Nous, les midlaners, on a enfin un peu d'amour. Avec un petit up là, avec les bushs qui sont un petit peu reculés, du coup on pourra mieux éviter les... j'allais dire les ganks, mais j'essaye de trouver un mot un peu plus compréhensible pour ceux qui ne connaissent pas LOL. Les escarmouches. Les pièges. Les descentes. Les agressions. Alors, on a une mission avec Nana. Améliorer Prosperity. Améliorer Prosperity niveau 2, d'accord, ok, c'est super. Malheureusement, mon pote, tu me dis pas comment faire. Je sais toujours pas comment faire. C'est là-bas, Prosperity, ok, mais problème. Des embuscades, tout à fait. Tout à fait. Mais je devrais faire plus de live sur LOL avec les potes, hein. Surtout pas en ranked. Quand je joue en ranked, en fait, je suis possédé, je ne parle pas. Je ne parle pas, je suis... focus. Je suis possédé, en fait. Chacun son opinion. C'est gentil de m'avoir libéré. Je ferai tout ce que je peux pour vous aider. Donc avec les potes comme l'autre fois, ce serait marrant. Ou alors on garde notre âme saine et on joue à Lethal Company ou à Fall Guys. Voilà. Mieux vaut ça, je pense. Mieux vaut ça. Oh non, 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 pas les poules, pas les poules. Non, pas les poules. Hé, hey, venez par ici. On vient juste de commencer. Manger tant que c'est chaud. Ça part vite quand ça sent bon comme ça. Je vais prendre ça pour un compliment. Maman pensait que ça serait une bonne idée d'organiser un repas pour le moral de tout le monde. J'ai l'impression... Mais elle, non. Elle n'arrête jamais. Et ça, ça risque pas de changer. Ça fait bien longtemps que j'avais pas accueilli autant de monde. La dernière fois, c'était peut-être pour annoncer que j'étais enceinte de toi. Oh, maman... Tout le monde était content pour ton père et moi. Ce n'est pas parfait, et il reste beaucoup à faire, mais c'est agréable d'avoir à nouveau une raison de se réjouir. Je suis bien d'accord. On n'en serait pas là si vous nous aviez pas aidés. Allez-y, servez-vous à boire. Vous le méritez bien. Mais ouais, League of Legends, quelle histoire. Quelle histoire, ça aussi, quelle histoire. Oh non, pas pendant la fête. Les enfants. Allez. Les femmes et les enfants d'abord. Au front, bien sûr, au front, hein. J'entends. Et nous, on fuit. Non. Allez, baissez vos armes. Ce serait dommage de faire peur aux enfants. Lâchez les enfants, monstre. Tout va bien se passer, ma chérie. Désolée, ça m'énerve quand j'entends des gens mentir aux enfants. Pourquoi vous faites ça? À cause de ton champion, là. Avant que toi t'arrives, tout se passait parfaitement bien. Mais maintenant, tu nous poses plein de problèmes. Tu piques nos affaires, tu fous le bordel partout où tu passes. Je crois qu'on ferait mieux de le tuer. Non, calme-toi. Ce serait bête d'en faire un martyr. Ce qu'on veut, c'est que tout le monde se rende bien. Ah, changement de volume au niveau de la voix. Ned est un fléau. Chaque personne que tu aides, chaque enfant que tu inspires, chaque campement que tu construis, on te le prendra. Et quand il te restera plus rien, ce sera tout. Surtout, tiens-la bien. La seule valeur sûre dans ce monde, c'est le pouvoir. Et toi, tu nous fais passer pour des faibles. Mais maintenant, c'est terminé! On va te prendre toutes les choses auxquelles tu tiens. En commençant par ta maison. Et si on peut pas le prendre?
Je suis méchante. On veut pas te voir quand on reviendra. Allez, allez. Oh mon Dieu. Allez, c'est bon, c'est passé. C'est passé, on va rentrer, allez. J'ai quand même l'impression que c'est globalement plus mou, que ce soit dans les cinématiques ou dans le gameplay, que dans Far Cry 5, ce qui n'est pas normal. Hein. Mais bon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? J'ai l'impression qu'ils ont connu pas mal de merde ici. Moi, ce que je veux, c'est augmenter les dégâts, madame. Et faut pas passer par là, je pense. Je suis prête à y aller. Ah, mais c'est comme ça qu'on augmente notre barre de vie, d'accord. Ok, d'accord, mon pote. C'est le roi des singes qui t'envoie. J'y crois pas, putain, ça a marché. Ouais, d'accord. Ah, mais du coup, j'ai plus d'éthanol. Je n'ai plus d'éthanol, brother. Il n'y a pas un moyen d'augmenter ses dégâts là. Fabrication de véhicules. Non, tu peux pas augmenter tes dégâts. Je pense que tu peux juste augmenter tes munitions. Bon, après, tu me diras, on les défonce déjà en un coup. Même en mode normal, donc bon. Yara, c'est pas non plus une catastrophe. Je n'ai plus de quête... Ah si, aucune mission dans les missions principales. Bah c'est parfait ça, c'est génial. Et merde, il y en a une autre. Thomas ? Monsieur Thomas Roche, où êtes-vous ? Je vous ai perdu. Ah ! Débloque des cartes achetées. Mécanisme, ressort, proie, poisson et oiseau. Écoute, je m'en fous total. Je cherche Thomas. Monsieur Thomas Roche. Ah. Les ravageurs peuvent revenir à tout moment. Carmina m'a raconté. Il est hors de question qu'on laisse les ravageurs prendre ce qu'on a construit. Ils vont revenir et ils auront sorti l'artillerie lourde. C'est bien. Ils vont regretter ce qu'ils ont fait. On n'a pas beaucoup de temps pour se mettre en position de façon à pouvoir riposter. Alors on a besoin d'être prévenus à la... Même les méchants de Nicky Larson ont plus de charisme. Au premier signe, tu as fait du mal à Roger, Raoul et à André. Je me sentirais mieux si... Eh bien, je vais les venger. Capitaine. Assurez-vous qu'ils sont prêts. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. Si les murs tombent, nous tomberons. Mes condoléances pour tous vos amis morts dans le train. Je refuse de mourir aux mains de ces enfoirés. C'est vrai que c'est dommage, mais t'as l'impression que les méchants là de cet épisode, je sais pas ce qu'il en est du 6, mais dans cet épisode, t'as l'impression que les méchants, ils essayent de refaire Vasse, mais... Enfin, ils essaient de les faire passer pour des psychopathes, mais c'est pas fou quoi. Une fois que t'as goûté à Vasse. Ça c'est la mission principale. Bon, écoutez, autant le faire. Hein. Votre fille est admirable, Kim. Vous pouvez être fier. Salut, chérie. Il commence à draguer lui hein. Je le sens là. Moi je veux le dogo. Je veux le dogo. Voilà, hop. Parce que la meuf là, ça va 2 minutes là. Où est-ce qu'il est? Ah. Regardez-le comme il est beau, il est mignon. Le meilleur ami de l'homme. J'ai préféré Primal ou le 5? Ah j'avoue, je sais pas ça encore. Je pense que je mets Primal au-dessus du 5 moi. Et j'hésite mais... Après j'ai mon même level, mais si je dois en choisir un, je dirais Primal.
J'ai pas encore testé Blood Dragon, mais je l'ai acheté. Je le ferai en live avec vous. Pour le moment, tout est calme. Ça fait partie des quelques fracas qui me restent. J'espère juste que je pourrai prévenir tout le monde à temps quand les ravageurs seront là. On peut pas se permettre de perdre... Merde, les voilà! Retourne voir les autres, vite! Hein?